Dans ce grand monopoly des mers, les îles sont un atout majeur. Le moindre îlot rocheux peut rapporter une zone de souveraineté équivalente aux deux tiers du territoire français. Les archipels sont encore plus intéressants, car la ligne de base à partir de laquelle est calculée la limite des 200 000 nautiques fait le tour du groupe d'îles.